Wow, was ist? Je pensais pas filmer ma randonnée, mais j'ai pas le choix. J'avais des amis ici, on a découvert un beau petit paradis. On est à Sainte-Thérèse-de-Gatineau, en Outaouais. Ici, c'est le sentier de la Chute Rouge. Je vous montre ça à l'instant. Suivez-moi! La pandémie n'a pas seulement ses inconvénients, ça nous permet de découvrir nos régions respectives. Ici en Outaouais, on manque pas d'endroits, de superbes destinations pour la randonnée. Encore là, une fois, Sainte-Thérèse-de-Gatineau, je pensais pas trouver une vraiment si belle place que ça ici. Les gens m'en avaient parlé, quelques personnes qui m'ont suivi, m'ont dit « Tu devrais aller voir ça à Sainte-Thérèse-de-Gatineau ». Maintenant, je confirme, c'est vraiment un superbe endroit. Ça, c'est du refuge. Je dirais pas non, hein. Fin de semaine ici. Belle place au bord d'un lac. Place de bois là-bas. Un pique-nique. Beau refuge avec des lits, tout. Qu'est-ce qu'il faut? Vraiment beau. Bravo à ceux qui ont bâti ça, qui s'en occupent. Ok, à peu près à 100 mètres de l'autre refuge, il y a ça ici. Petit chalet. Vraiment, ça a l'air récent. Ça a l'air vraiment bien. Je vais m'informer, il y a des possibilités de louer ça. Là. Vraiment intéressant. Je pense que c'est toujours bon, le chalet. Ouvrez la porte. Ouais. Wow. Écoute, c'est beau ça. Oh, ça y est, Brendan sort son drone. OK, après environ 10-11 km de randonnée, peut-être même plus que ça, Brandon décide de mettre ses crampons. Pas encore. Non? J'ai pas encore abandonné.
Non, non, t'es capable, t'es capable. T'es capable, Brandon, t'es capable. Retour à la chute rouge! Ok, je pense que ça va être une journée d'une vingtaine de kilomètres. En tout cas, c'est un beau défi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une grande distance comme ça. Six heures de soir, on vient d'arriver. Une vingtaine de kilomètres. Ah, j'étais avec Brandon, on a vraiment capoté cette randonnée-là. Hein? On a randonné quasiment 20 km. Là. Vous avez aimé, vous autres, laissez-moi un like, allez me laisser des questions, des commentaires. Si vous avez des questions sur cette randonnée-là, on a pas mal tout fait les sentiers, mais n'hésitez pas à nous laisser. Allez voir les réseaux sociaux de Brandon, il est partout, hein, sur YouTube, Facebook, Instagram, hein, peut-être d'autres choses. Moi, comme toujours, Joe Explore plein air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram, et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Sur ça, j'espère que vous aurez des aventures comme les nôtres. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Bye bye. Woohoo!